Le nord du Ghana est la région la plus pauvre du pays. Le revenu de 600 000 femmes y dépend de la culture de la noix et du beurre de karité. L'ONG Planète Finance Ghana, avec à sa tête Maxwell Kouniem, s'est associée à la société éditeur de logiciels SAP. Leur idée commune est que la technologie peut être utilisée pour faire reculer la pauvreté. En s'appuyant sur un réseau associatif de femmes travaillant la noix, le Starchy Network, un logiciel a été mis au point pour augmenter la valeur de la noix et du beurre de karité. Des informations sur chaque femme du réseau ont été collectées pour former une base de données. Ensuite, chaque femme s'est vue attribuer un code-barre unique. Il est collé sur chacun des sacs ou boîtes qu'elle vend. Il sera plus tard scanné à l'aide d'un smartphone lorsqu'un coordinateur de Starchy recevra la production. Cela assure à chaque productrice un revenu juste et la sécurité d'un prépaiement. En effet, Starchy peut ensuite aller négocier l'ensemble des quantités avec des acheteurs internationaux. Il obtient ainsi un prix plus élevé et donc des revenus supplémentaires pour les femmes du réseau. 10 000 femmes profitent déjà de cette innovation et leur nombre pourrait doubler dans les 5 ans. Leurs revenus ont été multipliés par 2 pour la vente de noix et par 5 pour le beurre de karité. Grâce à cette innovation, la pauvreté recule et les inégalités de genre avec.